ce bruit qui m'assourdit. Et me perce les oreilles comme des aiguilles. Quelle est cette voix qui m'appelle au combat? Allons, viens. Viens. Mais qu'est-ce donc? Pied de la montagne, il s'aventure craintivement vers le redoutable bail. Où es-tu donc? Où te caches-tu, petit frère? Il m'attend. Allons, montre-toi. Te voilà. Imbécile. Tu ne connais donc pas ma force. Viens. N'aie pas peur. C'est mon frère aîné. Que puis-je contre lui? Allons, approche. Allons, viens donc. En de larges enjambées, les deux frères se sont rejoints. Ils se pourchassèrent longtemps autour de la montagne, se narguant à distance et grinçant des dents. Allons, viens. Gare à toi.
Durant des heures et des heures. La force de Bali était inébranlable, tandis que Sugriva commençait à faiblir. Mais il savait que Rama, caché, attendait, prêt à intervenir. La flèche de Rama, traversant le tronc des sept palmiers, se planta net dans le cœur de Bali. Les dieux ne lui avaient-ils pas promis l'invulnérabilité? Comment cela avait-il pu arriver? Blessé à mort, ô Rama. Mon cœur est étreint de douleur. Qui prendra soin de mon fils et de mon épouse? Tu m'as abattu par ruse, ô grand prince. J'ai mal agi, ô Rama. Pardonne-moi. Attends, attends, attends. Oh, oh, oh. Oh, yeah.
Rama, fils de Vishnu. Rama, donne-moi la libération. Pardonne-moi. Ô Rama. Hanuman, parmi tous les servants de Rama, tu es le plus cher à son cœur. Ta force et ta sagesse sont sans limite. Ton corps est éblouissant comme une montagne dorée. Ta colère est un feu sauvage sur la forêt des démons. Tu es le réceptacle de toutes les vertus. Tu es le guide des pèlerins. Né du vent, tu es le souffle de l'univers. Ô Hanuman, reçois notre hommage. Du sommet d'une haute montagne, Hanuman scrute l'horizon. Concentre la puissance yogique de son esprit par-delà les mers vers l'île de Lanka où Sita est retenue prisonnière. Oh, là-bas! Les eaux tourmentées. De l'océan. Qui s'étend devant moi. À perte de vue. Oh, quelle merveille. Mais comment franchir ces eaux tumultueuses? Traverser ce vaste océan. Venir sur l'autre rive. Comment faire? Les dieux m'aideront. Quoi qu'il arrive, je dois d'abord donner à mon corps des proportions gigantesques et bondir. C'est dit. Sa queue, Hanuman se projeta en l'air et d'un bond formidable atterrit sur les plages argentées de Lanka. Là, il reprit sa taille ordinaire. Et s'aventura vers la citadelle de Ravana. Voici là-bas la porte de Lanka. Observons. Je vais maintenant me réduire aux proportions d'un singe avorton, de manière à passer inaperçu.
Et ce bruit semblable au tonnerre. Qu'est-ce donc ? Quel est ce vacarme ? D'où cela vient-il ? Je vois des musiciens qui frappent des tambours. Comme un ouragan déchaîné. Il y a beaucoup de gardes et de serviteurs. Une foule de gens rassemblés tout alentour. Voilà une procession qui arrive. Oh ! Qui vient par là ? Qui est cet homme à l'aspect terrifiant ? C'est bien lui. Il se dirige par ici. Le voici. Je vais sauter sur cet arbre et observer sans être vu. Sita, semblable à une rivière dont les eaux seraient taries, abattue par le jeûne et le chagrin, priait, désespérant de voir un jour la fin de ses peines. De longs mois s'étaient écoulés depuis son enlèvement, et Ravana, pour obtenir ses faveurs, avait vainement multiplié ses ruses. Le désir exacerbé par les refus obstinés de Sita, le terrible roi de Lanka pénétra dans le parc. Je vais user des mots les plus doux et essayer une fois encore d'obtenir son consentement. Ton Rama n'est qu'un homme, c'est tout. Ton esprit ne doit plus être fixé sur lui. Non, jamais plus. Ici-bas, des trois mondes, je suis le Seigneur suprême, toi et moi. Vivons ensemble. Ô Sita. Moi, à Rama, tu dois me rendre. Devant le Seigneur, aux pieds vénérables comme des fleurs de lotus, tu dois aller. Te prosterner. Sinon, tu mourras. Oh, toi, cette fois, prends garde. Je vais te découper en morceaux. Thank you.
C'en est trop. Maintenant, Sita, je vais te tuer. Oh, cruelle destinée. Oh, Seigneur. Arrête, Ravana. Honte à toi. Hanuman, perché sur son arbre, avait été témoin de toute la scène. Il regarda Ravana s'éloigner et resta un moment ébloui, ému à l'idée d'approcher enfin celle pour qui il avait survolé les mers, pour qui Rama aurait bouleversé l'univers, celle qui avait suscité tant de combats. Au fond de son cœur, il ressentit combien elle était digne de cette adoration. Sita, je te salue, toi aux pieds semblables à des fleurs de lotus. Je te salue, ô mère divine. Je viens t'apporter un anneau remis par Rama. Ceci est la preuve de ma sincérité. Oh toi, qui es-tu? Oh grand singe. Je t'en prie, donne. Donne-moi cette preuve. Donne cet anneau. Donne vite. Noble ami, je t'en prie. Cette merveilleuse bague. Du dieu du vent, je suis le fils. Mon nom est Hanuman. Oh, quelle grâce m'est donnée. Je te bénis, mon fils. Mais ne t'attarde pas ici. Retourne vite auprès de Rama. Tu lui porteras ce gage de ma part. Dans un mois, je serai de retour ici, avec Rama sur mon épaule. Ici même, je reviendrai. J'attaquerai les Rakshasas. Et Ravana sera tué. Cela est décidé. Moi, Hanuman, je vous emporterai, toi et Rama, comme cela, par-dessus l'océan.
Maintenant, Sita, laisse-moi repartir et porter à Rama ton message. Précieux, encore tout mouillé de tes larmes. Sita, me permets-tu d'inspecter un moment ce jardin avant de quitter Lanka? Je t'en prie. Hanuman était décidé à laisser un souvenir de son passage. Se déchaînant comme la tempête, il brisa les murs, déracina les arbres. En un instant, tout fut entièrement dévasté. Informé du saccage de son jardin préféré, Ravana envoya le plus fort de ses soldats. Un simulacre de résistance, Hanuman se laissa maîtriser. Lorsqu'il avait appris les faits extraordinaires et les ravages accomplis par ce singe hors du commun, Ravana avait senti pour la première fois la crainte l'envahir. Mais quand on informa qu'Hanuman venait d'être capturé, il se rassura et demanda que celui-ci lui soit amené sans délai. Qu'es-tu venu faire dans l'île de Lanka? Toi dont l'esprit semble ignorer la crainte, comme un insensé, tu as osé me braver. Tu as tout détruit sur ton passage et tué mes serviteurs. Pourquoi? Malfaisante créature. Écoute-moi, Ravana. Sache que mes bras sont si forts. Si puissant qu'avec mes poings, si je le veux, je peux ébranler le mont Meru. Lanka n'est rien. Je peux tout pulvériser en un instant. Toi qui es vigoureux, viens, Prahasta, et écoute-moi. Toi dont la puissance dépasse celle de ce singe, nous allons donner une leçon à ce grotesque animal. Apporte des mèches de coton, nous les attacherons à sa queue. Ensuite, nous y mettrons le feu. Viens.
se saisissant de sa queue comme d'une torche, Hanuman va mettre le feu à toute la ville en dansant de joie. Traverser l'océan et je reviendrai avec mes armées pour tout anéantir. À la vitesse du vent, Hanuman va rejoindre Rama. Les formidables armées de singes construiront un pont aérien et déferleront sur Lanka, annonçant la fin du règne de Ravana. À l'aube du dernier jour de la bataille, après un bain rituel, Ravana va affronter Rama en combat singulier. Il était si terrifiant qu'Indra, le dieu du ciel, craignit pour Rama. Mais Rama visa le cœur de Ravana, la seule partie de son corps qui était vulnérable. Terrassé, Ravana s'affaissa. Il vit la lumière. La flèche purificatrice de Rama consumait son orgueil monstrueux, le conduisant à l'ultime instant vers la paix. Hanuman emportait Rama vers Sita ainsi qu'il l'avait promis. Les 14 années touchaient à leur terme, mais aucune nouvelle de Rama ne parvenait. Bharata avait compté les jours et les heures. Son cœur était lourd. Fidèlement, il avait gouverné comme régent. Cependant, il lui semblait que toutes les austérités et pénitences qu'il s'était imposées étaient restées sans effet. Devant l'autel où étaient exposées les babouches de son frère, chaque jour, il accomplissait les rites d'usage, répétant le nom de Rama avec dévotion. Écoute, je t'en prie, mon petit frère, ce que je vais te dire. Mes pensées vont sans cesse vers Rama, et la mélancolie envahit mon âme. La douleur m'étreint jusqu'à la mort. Qu'est-il advenu de lui? Où est-il? C'est trop de tristesse. L'horizon est désert. N'a-t-il pas promis de revenir?
aujourd'hui même. Mes paroles sont impuissantes à exprimer le vide de mon cœur. De sa consécration, le temps est venu. Et lui, notre ami le plus cher, n'apparaît toujours pas. Rama, où es-tu? Sans toi, le monde est comme privé de vie. Qu'allons-nous devenir? Ô mon frère. Il est inutile d'espérer encore son retour. Je te demande de préparer le feu sacrificiel où je serai consumé, moi, Bharata. Sans regret, je vais m'y précipiter. Mon corps sera anéanti à l'instant même. Sans sa loi, ma vie n'a plus de saveur. Je vais y mettre fin. Non, mon frère, ne fais pas cela. Non. Je ne pourrais supporter que tu accomplisses un tel acte. Si tu mets fin à ta vie, moi aussi je te suivrai. Ainsi, nous périrons ensemble. Non, frère, tu ne dois pas mourir, mais continuer à régner sur ce pays et gouverner le royaume. Moi seul me jetterai dans les flammes. Je suis résolu. Hâte-toi. Prépare le bûcher. Vite, frère. Je t'en prie. Satrughna, obéissant à la volonté de son frère, prépare le bûcher du sacrifice. Mes enfants, arrêtez. Il n'y a pas lieu de vous tourmenter ainsi. Que votre tristesse fasse place à la joie. Allons, préparez-vous car tout va s'accomplir, nobles jeunes gens. J'ai traversé les nuages et ramené Rama et Sita ensemble ici même. Le couronnement doit avoir lieu dès leur arrivée. Tout doit être prêt. Mais qui es-tu donc? Moi? Je suis fils de Vayu, le dieu du vent. Hanuman. Satrughna, voici le grand Hanuman. Vite, à tous, annonce la nouvelle. Dites au sage Vasista de préparer le palais. Toute mélancolie doit être bannie pour leur retour. Oh, les voilà. Regardez, voici le char de Rama. Ils arrivent. Voici Rama. Une immense clameur monta vers le ciel. Voici Rama. Des épreuves étaient terminées. Tous ceux qui, durant ces longues années, avaient gardé présente dans leur esprit l'image de Rama, purent enfin le contempler dans sa gloire et fondre leur âme au cœur du divin comme dans l'infini.
voici tes babouches, je te rends ton royaume. Pendant ce temps, Vasista, le vieux prêtre du palais, préparait l'autel où devait s'accomplir le rite d'intronisation. Les messagers furent envoyés par toute la ville et les fêtes du couronnement, interrompues par ces 14 années d'épreuves, purent reprendre avec encore plus de magnificence qu'autrefois. Rama retrouva avec émotion ses amis, ainsi que sa mère, Kausalya. Viens, Sugriva, approche. Hanuman, mon fils, approche. Comment pourrais-je m'acquitter envers toi, ô Hanuman? Ô mère divine, que puis-je désirer de plus en ce monde que te servir? Ce jour béni, quelle joie ineffable est la nôtre. Depuis ce jour, la tradition veut qu'Hanuman veille, invisible, chaque fois que le Ramayana est compté ou le nom de Rama prononcé. Dieux réunis dispensaient leur bénédiction sur le nouveau roi, par qui s'ouvrait un règne d'équité, de paix, d'harmonie et d'amour.
Alors Brahma dit, le Dieu suprême qui nous créa est sans commencement ni fin. Il est l'origine de tout et tout se résume en lui. Ce Dieu, Rama, c'est toi-même. Et Sita, à ton côté, fait maintenant partie de ta divinité. Que ta bonté rayonne sur le monde, ô Rama. Puisse le Ramayana être conté à tous et à toutes, car il est dit que seront préservés de l'erreur et du désespoir tous ceux qui savent l'entendre.